C'était bon? C'était bon? Vous viendrez l'année prochaine? Génial. Nous allons maintenant procéder à la cérémonie du cassage du verre. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long, mais je vais quand même vous rappeler quelques règles au niveau du cassage du verre. Donc, malgré que nous sommes la petite marche de Gerpine, les officiers de notre marche représentent les grades habituels d'une marche. Donc il y a le sergent-sapeur, drapeau-major, adjudant, porte-drapeau, major, officier de peloton, officier des vétérans chez nous, les porte-chapeaux et les cantinières. Un point important, les cantinières doivent obligatoirement être de sexe féminin. Il faut le dire. Plutôt pour major aussi. Par contre, les grades de major et de porte-chaco sont mixtes. Les autres officiers, par contre, doivent être obligatoirement de sexe masculin. Dans les points de règlement, pour pouvoir postuler comme officier, un candidat doit, en date du cassage du verre, c'est-à-dire aujourd'hui, être âgé de 16 ans maximum. Pour accéder au grade d'officier, il faut avoir 3 années consécutives de stage au sein de la compagnie. Aussi, pour permettre à chacun de pouvoir postuler à un grade au sein de la compagnie, l'honneur à l'ancien est de rigueur, mais pour une période de 2 ans. Après ce délai, l'ancien devra céder sa place à un autre postulant. Toutefois, il pourra reprendre son grade si personne ne le revendique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui! Au début, c'est clair. D'un autre côté, la présence du postulant est indispensable. Son absence correspond à une négation. Donc si quelqu'un qui peut casser le verre n'est pas là, s'il n'a pas de motif valable, c'est comme s'il ne pouvait plus casser le verre. Aucun engagement ne peut se prendre par personne interposée. Ni papa, ni maman, ni papi, ni mamie, etc. ne peut casser le verre à la place de quelqu'un. Le verre doit être cassé par le postulant lui-même, excepté en cas de force majeure. Hein, bon, quelqu'un malade, quelqu'un qui est à l'hôpital, quelqu'un qui n'est pas là pour une raison malade, okay, on peut comprendre. À ce moment-là, ce sera délibéré au sein du comité et ce sera accepté ou pas en fonction de la raison. À la fin du cassage du verre, si plusieurs postes restent vacants, le comité recevra les candidatures et fera connaître sa décision après en avoir délibéré. Est-ce qu'au niveau des conditions du cassage du verre, c'est clair? Oui. Génial. Bon, avant de commencer le cassage du verre, je voudrais aussi donner quelques informations importantes. Il faut savoir que la Jeune Marche Saint-Pierre fait partie de l'Association royale des marches folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Et à ce niveau-là, ben, on est assuré par l'association. Mais pour que vos enfants soient assurés eux aussi, il faut vous assurer qu'ils soient en ordre de cotisation. C'est-à-dire qu'il y a un abonnement au niveau de l'association Royale des Marches. C'est ce qu'on appelle le petit marcheur. Donc c'est un fascicule qu'on reçoit, c'est une assurance. Bon, c'est 9 euros pour l'année. Vous recevez le petit fascicule du petit marcheur avec toutes les informations, etc. Et ça vous couvre aussi au niveau assurance. Donc si votre enfant n'est pas assuré, même si la compagnie est assurée et qu'il cause des dégâts, malheureusement, ça ne rentrera pas en ligne de compte. Donc je vous le dis, j'ai ici, bon, dans le bas pour l'instant, les fonds d'affiliation. Donc si vous voulez affilier vos enfants, n'hésitez pas, vous venez vers moi et on fera le nécessaire.
J'ai encore un autre point. Comme vous le savez, vos enfants marchent. Ils sont, pendant les deux jours de la marche glaciaire, les bienvenus, ils sont nourris, ils sont abreuvés, pas logés. Non, ça désolé, c'est pour vous. Mais je veux dire, on fait un maximum pour eux. Évidemment, pour faire ça, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et pour faire ça, on a un fascicule, le fameux fascicule avec le programme, etc. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui désirent mettre une publicité, évidemment, il faut du sponsoring pour pouvoir rentrer de l'argent, n'hésitez pas, faites-nous aussi, on fait le nécessaire. Donc, ce fascicule est tiré à 3500 exemplaires, distribué dans toutes les écoles de l'entité, plus distribué en toute boîte dans chaque centre. Donc, si vous voulez un petit coup de pub, c'est ici, faites-moi signe, on fera nécessaire. Donc, les pubs vont de 50 à 300 euros. 300 euros, c'est une part complète, si vous voulez. Donc, voilà, ça, c'est à peine, si jamais. Évidemment, pour faire en sorte que vos enfants marchent dans les meilleures conditions, on a besoin de fonds, et c'est le fascicule pour les autres. Voilà, alors, comme vous pouvez vous en douter, en tant que jeune marchandière, on est aussi invité à participer à des célébrations pour d'autres marches, etc. Donc, cette année-ci, par exemple, on a été invité par la compagnie de Naline, Notre-Dame de Grand Secours. Donc, notre drapeau plus une escorte du drapeau est invité le 14 juillet à Naline. Donc ça veut dire que la personne qui va casser le verre pour la place de porte-drapeau est censée logiquement pouvoir se libérer pour aller à Naline si on décide d'y aller. Et comme il y a une escorte, si jamais vos enfants sont intéressés pour le fait de participer à cette petite sortie à Naline le 14 juillet, faites-le en savoir aussi, comme ça on fera en sorte que l'escorte prise en compte avec vos enfants. Voilà, à côté de ça, une dernière chose. Comme je vous ai dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ben oui. Donc on va vous demander si on a prévu un petit loto. Il y a deux lots. Donc on. Il y a deux lots, donc on va préparer un petit loto. Donc si vous voulez participer, on va demander aux enfants de passer après dans l'état et même chez d'autres personnes. Pour pouvoir récolter des fonds, il y a deux lots au niveau de la tombola, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, donnez-vous un bon accueil. Voilà ce que je vous demande. On va maintenant